Do you still support Marco Mendicino as public safety minister? Are you intending to I want to start by thanking the thousands of Canadians who came out to exercise their democratic rights in voting in the four by-elections that were held across the country last night. I very much look forward to welcoming two great new MPs in both Winnipeg and in Montreal, and highlight that our message is resonating because we had a very strong showing in a challenging riding for us in Oxford in rural Ontario. So we're very excited about continuing to share strong positive messages with Canadians over the coming summer. Je souligne à quel point je suis content d'avoir vu des milliers de Canadiens voter dans ces élections partielles qui ont été tenues hier soir. L'implication positive dans notre démocratie, c'est toujours une très bonne chose. J'ai vraiment hâte d'accueillir deux députés extrêmement forts pour Montréal et pour Winnipeg au sein de notre équipe. Et je veux souligner que les résultats dans le comté de Oxford, très forts pour le Parti libéral, démontrent à quel point notre message positif et le travail qu'on est en train de faire est en train de résonner à travers le pays et on va continuer de passer ce message positif à travers les pays. Sur Ottawa, est-ce que vous êtes en mesure, avez-vous des nouvelles des deux disparus et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des causes de ça? Est-ce que c'est un accident ou ça a été causé intentionnellement ou autrement? J'ai parlé au chef des états-majors de la Défense ce matin. Oui, j'ai eu certains détails, mais je vais attendre que la Défense partage ces messages-là avec les Canadiens. C'est sûr que on est en train de parler avec les familles, on est en train de regarder attentivement comment ça s'est passé. On va continuer de garder les gens au courant. Monsieur Poirier, I was happy to speak with the chief of defense staff last night to express my condolences on the families and colleagues of the members who've been killed. The fact is there will be a thorough investigation. There will be answers to give, but right now we're focusing on notification of families and support. Thank you. Do you still have confidence in Marco Mendicino as public safety minister? You can just jump right in. Okay, so just reading that report, production when it comes to oil is expected to fall from around 6 million barrels in the next couple of years to about as low as 1 million barrels. You said that oil is a future in this country. It doesn't seem like it does. Well, no, I did say that, and yes, it does. First of all, I would say folks have to, there's nothing really new in this report. Like, the International Energy Agency put out a report at the international level 2 years ago. This is a more of a country-level report, but the numbers are not much different. I've been going across the country, and every speech I make, I talk about the fact that based on the projections in the 1.5-degree scenario for the International Energy Agency, oil will decline by about 75%. But we will still need about a quarter of the amount of oil we need today, and we need about half of the amount of gas, according to the IEA. The numbers in this report are actually quite similar. In the full 1.5-degree scenario, you fall to about 25%, 22-25%. In the second scenario, where Canada and the developed world achieve 1.5 and India and China are a little bit later, it's a 1.7-degree scenario, it falls by about 30%. But the continuing use of oil is not going to be in combustion applications like transportation, by and large. It will be in non-combustion applications like petrochemicals and solvents and waxes and lubricants. And Canada has an opportunity to be a dominant player in that market, to actually grow our market share from what it is today if we invest in decarbonizing the production, the emissions associated with production. So yes, there is a continuing role. We need to ensure that we're focusing on decarbonization, but we also need to obviously focus on diversifying our economy, critical minerals, hydrogen, biofuels, small modular reactors, renewable energy at the same time. I mean, you're saying that this is not new, but it is new. I don't think anyone ever saw a report from the NEB or the CER that saw production fall off a cliff that low. So is there anything that you want to say to oil producers, provinces, Newfoundland, Saskatchewan, Alberta, who are like, hell, this is our livelihood? Well, a couple things. The first that I would say is actually it isn't new, because anybody who read the IEA report, this is entirely consistent with what the IEA said. And to be honest, in the context of actually the fight against climate change, I don't think any of this is unexpected. We have to get away from the combustion of fossil fuels, or at least the unabated combustion of fossil fuels, if we're actually going to address the climate issue. So I would argue with your premise that it's new. I don't think it is.
I would also say that 2050 is 27 years away. So there is almost 30 years during which we will continue to use larger quantities of oil and gas. And even in the post-2050 period, there will still be significant quantities of oil and gas that are going to be needed in non-combustion applications. My message to Newfoundland and Saskatchewan and Alberta, and I think all of those provincial premiers actually understand this, is we need to ensure that we are actually highly competitive through the transition, particularly as it relates to low production emissions, and that we are a continuing player going forward. But we also want to work with them on diversifying their economy, on seizing the opportunity for the net zero petrochemical facility that Dow wants to build in Alberta, or the Air Products hydrogen facility, or the Foran mining copper mine in Saskatchewan. And that's an important thing that we need to work on with all provinces and territories. On pipeline capacity, there was no modeling on the need for extra pipelines or existing pipelines. And CER basically said, because we don't need it, right? Look at the forecast for oil and gas production. Does this put an end in your mind? Does this put to an end in your mind the debate about whether we need an Asian East or another Northern Gateway, or do we have sufficient pipeline capacity? So, I would say initially, project decisions actually have to be made by companies, and companies have to make them based on business cases. And business cases typically rely on their expectations about the future, whether that's demand or it's pricing or all kinds of things. I'm not going to get into the business of telling energy providers what they should assess the business case at. But what the CER does say is that we will see some modest growth in oil over the next few years, and then it will peak and it will go down. In that context, the utilization of the existing pipeline system seems to be largely sufficient. But that, again, relies on the work that the CER has done, which is a model. And I want to just stress, I mean, models are models. They are not predictions about the future. They rely on all kinds of assumptions. But they do give you a sense of sort of the likely sort of different pathways in the future. And that will be incorporated by business. Like, this is a tool for businesses to actually reflect on what is the best way for them to create shareholder value. Do you think it's a tool for the Conservatives and other parties as well? Because they want to see more pipelines. Other provincial counterparts? Well, if the Conservatives want to essentially bury their head in the sand and pretend that climate change is not real, that there is no pathway to actually addressing the climate crisis, they can go ahead. But I would just tell you, and unfortunately, I mean, that is what we hear from Mr. Polyev, who doesn't talk about climate change. I'm not sure if he's a climate denier or if he simply doesn't think it's very important. But at the end of the day, then I'd like to hear him say that, and I'd like to hear him say what his plan is for actually addressing it. You cannot say that there is going to be increasing combustion of fossil fuels, unabated combustion of fossil fuels, and you believe in addressing climate change. Those are entirely logically inconsistent, and to be honest, you folks should be challenging him on that. Final question. So much of our modeling to reach net zero depends on the rest of the world. What is my question here? Is that a word? Like, can we really get to net zero if we don't bring the world along? Well, we are increasingly seen as a leader in terms of addressing the climate issue, but I would tell you that Europe was there first. And Europe has very thoughtful plans about how they are actually working to reduce carbon emissions. Increasingly, our friends in the United States have been taking this very seriously, as has Japan and South Korea and others. And even though some folks complain about some of the pace of change in China actually has the broadest deployment of electric vehicles, for example, of anywhere in the world. So we are seeing progress. We are seeing that both in terms of technology, but we are seeing it in terms of deployment. The second scenario, which is kind of the announced pledges scenario, reflects what people have thus far signed up to in Paris, which is net zero by 2050 for the vast majority of the developed world, 2060 for China, 2070 for India. That is where the world is targeting to go right now. Of course, we are always going to look to be more ambitious. Everybody needs to look to be more ambitious. But I do believe that the world is moving. The world is moving in part because increasingly we are seeing the effects of climate change all around us, including in the forest fires that are going on in this country. I mean, at the end of the day, if we do not address the climate issue, it is not only an enormously difficult future we are leaving for our children, but the cost of actually managing this issue are going to become astronomical. But do you admit that, we can do everything that we want to do or say we're going to do, but if the world doesn't come on board?
I think that's true, but the world has taken enormous steps through the architecture of Paris, in part because we actually have a collective interest in addressing this problem. It's not easy. International agreements are never easy, particularly those that rely on effectively voluntary compliance. But I am encouraged by the progress that we are seeing around the world, and I think we all have an enormous interest in the world being successful. So, thank you. Alors, bonjour à tous et à toutes. Today I'm joined by my colleagues Marie-Claude Bigot and Julie Dabrowson to announce the next step towards a more sustainable approach to pesticide management in Canada. The Government of Canada initiated this new approach in 2021 with an investment of $50 million in Health Canada's Pest Management Regulatory Agency and Agriculture and Agri-Food Canada's Pest Management Research, with support from Environment and Climate Change Canada. That triggered the start of the transformation of the PMRA, the Pesticide Management Regulatory Agency, within Health Canada, the launch of a targeted review of the Pest Control Products Act, and restarted the process of evaluating modifications to pesticide residue limits. Thanks to extensive discussions and consultations to better understand Canadians' expectations about the management of pesticides in Canada, we are now ready to take additional actions. The health and safety of Canadians will always remain at the core of these decisions in that process. Aujourd'hui, Santé Canada a publié un avis d'intention qui lance les consultations sur les modifications proposées au règlement sur les produits antiparasitaires. Ces modifications permettraient de rendre la gestion des pesticides plus transparente, tout en tenant compte des préoccupations des intervenants liées à l'efficacité et la rapidité des décisions sur les pesticides. Ces modifications proposent également de prendre en considération les effets environnementaux cumulatifs liés à l'application des pesticides et leur impact sur la diversité et la biodiversité pendant le processus d'examen des pesticides. Ces changements importants s'aligneront sur la nouvelle mouture de la loi canadienne de la protection de l'environnement qui a reçu la sanction royale il y a quelques semaines. Il est impératif que cette législation tienne compte du fait que plusieurs types de pesticides soient parfois épandus au même moment et que cela peut avoir des conséquences à prévoir sur la santé de l'humain et de notre environnement. Santé Canada a également relancé le processus d'évaluation des modifications des limites de résidus de pesticides en débutant ce processus d'examen pour les pesticides à faible risque seulement. Santé Canada poursuit par ailleurs son examen des 20 000 commentaires du public et des parties prenantes en réponse à l'augmentation proposée des LMR pour le glyphosate. Aucune décision ne sera publiée avant 2024. La levée de la pause pour les pesticides à faible risque maintiendra l'accès fiable à des aliments abordables et nutritifs aux Canadiens et Canadiennes et offrira une prévisibilité aux agriculteurs pour leur permettre de protéger leurs récoltes et soutenir la sécurité alimentaire. Nous modifions également la stratégie pour un gouvernement vert qui est dirigé par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Ainsi, nous éliminerons l'utilisation de tous les pesticides à des fins esthétiques sur les terres fédérales, par exemple sur la colline du Parlement ici à Ottawa, et sur les plaines d'Abraham à Québec. Étant donné que le gouvernement canadien est le plus grand propriétaire des biens immobiliers au pays, cette mesure sera une étape marquante et importante vers l'atteinte de la cible 7 du cadre mondial de la biodiversité signé à Montréal en décembre dernier, qui consiste à réduire le risque que les pesticides représentent pour la biodiversité. Le gouvernement du Canada se doit de prôner un leadership par l'exemple. À cette fin, nous travaillerons aussi activement avec notre collègue Stephen Guilbeault afin de coordonner et faciliter la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité au Canada, notamment la cible 7 qui vise à réduire d'au moins 50 % le risque global lié aux pesticides d'ici 2030. Ce cadre est essentiel pour protéger et accroître la biodiversité de notre environnement. Enfin, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire fait progresser son programme de transformation au moyen d'initiatives importantes qui comprend la mise sur pied d'un programme national de données sur l'utilisation des pesticides et la création d'un comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires. En terminant,
mes collègues et moi sommes déterminés à assurer une gestion responsable et durable des pesticides au pays qui continue de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens. Et sur ce, je me tourne vers ma collègue Marie-Claude Bibeau. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous vous souvenez certainement qu'en août 2021, l'annonce d'une consultation sur la potentielle augmentation de la limite maximale de résidus d'un pesticide par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA, avait suscité une forte réaction de la population, particulièrement au Québec. Et on avait alors pris la décision de suspendre temporairement toute éventuelle augmentation pour se donner le temps de comprendre et de revoir le processus. S'en est suivi une importante consultation publique, la création d'un comité consultatif scientifique indépendant qui suit les travaux de l'ARLA et offre des conseils, un investissement de 42 millions de dollars dans l'ARLA pour renforcer et améliorer la transparence et l'accès à plus de données indépendantes, un investissement de 7 millions de dollars chez Agriculture et agroalimentaire Canada pour appuyer 25 projets de recherche sur des solutions antiparasitaires alternatives et un investissement d'un million de dollars pour les travaux de soutien d'environnement et changement climatique Canada. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous partager un certain nombre de choses que j'ai comprises sur le sujet depuis mon arrivée comme ministre de l'Agriculture il y a 4 ans déjà. Santé Canada et l'ARLA ne font aucun compromis quand il s'agit de la santé des Canadiens. Leurs décisions sont prises sur la base de données probantes provenant de différentes sources à travers le monde et à la suite d'un processus d'analyse scientifique rigoureux. Nos productrices et producteurs agricoles travaillent extrêmement fort pour nourrir le monde. Ils sont très soucieux de la santé des gens, à commencer par leur famille qui vit sur la ferme. Ils ont à cœur la protection de l'environnement, d'autant plus que la terre et l'eau auxquelles ils ont accès sont ce qu'ils ont de plus précieux et qu'il s'agit de l'héritage qu'ils céderont à leurs enfants. Au fil des générations, ils se sont professionnalisés, ils améliorent leurs pratiques et ont accès à des équipements et à des intrants de plus en plus performants. Ce sont aussi des entrepreneurs qui, pour bien vivre de leur travail dans un secteur aussi compétitif, doivent sans cesse optimiser l'utilisation de leurs ressources et le faire de façon durable pour ne pas compromettre l'avenir de leur relève et de notre environnement. Ils doivent aussi être plus innovants, plus productifs, parce que la population mondiale croît extrêmement vite dans un contexte de changement climatique qui compromet la capacité de produire des aliments dans plusieurs régions du monde. C'est le cas, même ici, de façon périodique. Rappelez-vous l'inondation historique en Colombie-Britannique il y a à peine 2 ans, la sécheresse dans les prairies en 2021, l'ouragan Fiona dans l'Atlantique l'année passée. C'est pourquoi l'industrie, les provinces et notre gouvernement investissent massivement dans la recherche et l'innovation en agriculture. Par exemple, l'utilisation du fameux glyphosate permet maintenant ce qu'on appelle le no-till, soit le travail minimal du sol. En ne labourant pas ou très peu les terres sur des grandes superficies comme les prairies canadiennes, on en réduit de façon considérable les émissions du secteur agricole tout en augmentant notre production, notre productivité de façon significative. Beaucoup de recherches se font aussi au niveau des biopesticides et l'ARLA doit dorénavant prioriser et accélérer l'évaluation et l'autorisation des pesticides alternatifs. Les pesticides coûtent cher, alors les agriculteurs, tant dans le secteur biologique que conventionnel, en utilisent le moins possible. Ils font ce qu'on appelle de la gestion intégrée, c'est-à-dire qu'ils considèrent toutes les options et combinaisons de produits, de pratiques et d'équipements auxquels ils ont accès pour être à la fois productifs, compétitifs et durables. Les maladies et les ravageurs ne sont pas toujours les mêmes d'une année à l'autre et la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, évalue même à 40 % les pertes alimentaires qui sont associées. Je vais aussi essayer de vous expliquer dans mes mots les limites maximales de résidus de pesticides qu'on appelle les LMR, parce que je vous avoue que ce n'est pas si facile à comprendre et du moins c'est contre-intuitif. Quand je l'ai compris, j'ai été rassurée. Alors, je me sais... L'ARLA détermine le niveau d'exposition à un pesticide pour lequel il n'y a pas d'inquiétude et établit une dose journalière admissible, 100 fois, voire 1000 fois plus petite que le niveau. Cette dose devient le plafond de toutes les LMR susceptibles d'être autorisées. Ensuite, c'est selon l'usage qui est fait sur différentes productions que les LMR sont fixées. Et lorsqu'on additionne toutes ces LMR-là autorisées, bien, ça doit toujours être en deçà de la fameuse limite journalière admissible. Alors, la LMR, c'est vraiment en fonction de l'usage et non en fonction du risque.
Autrement dit, la santé d'une personne qui mange tous les produits pour lesquels il y a des LMR approuvés, tous les jours, sur une longue période, sa santé ne sera pas compromise. Alors, vous voyez que la marge de sécurité est très large. Une personne ne pourrait pas manger tous ses produits tous les jours, fois 100, pendant une longue période. C'est pour ça qu'il peut être acceptable qu'une LMR soit modifiée. C'est en fonction de son nouvel usage et de tous les autres usages qui en sont faits aussi. De la culture sur laquelle le produit est utilisé, en suivant quelle posologie, à quel moment de la croissance. Les LMR peuvent aussi être différentes d'un pays à l'autre, parce que les usages autorisés peuvent être différents. Il existe aussi le Codex Alimentarius de l'Organisation mondiale de la santé auquel on se réfère et qui est utile pour harmoniser les règles de commerce international. Il n'est donc pas question de bannir l'usage des pesticides pour des fins agricoles, puisqu'ils sont essentiels à la sécurité alimentaire au Canada et dans le monde. There is no question of banning the use of pesticides for agricultural purposes, since they are essential to food security in Canada and the world. D'autant plus qu'ils sont utilisés par des agricultrices et agriculteurs formés pour les utiliser de façon optimale et sécuritaire, et dans certaines provinces, dont le Québec, sur prescription obligatoire d'un agronome. Néanmoins, pour réduire les risques que les pesticides pourraient présenter pour la biodiversité et respecter l'engagement que l'on a pris à la COP15 en décembre dernier à Montréal, notre gouvernement va éliminer l'utilisation des pesticides à des fins cosmétiques sur les propriétés fédérales et, dans le contexte où il s'agit d'une juridiction provinciale, nous allons faire preuve de leadership et encourager les provinces et les municipalités à en faire autant. La cible 7 de la COP15 est un engagement à réduire de 50 % le risque et non l'usage associé aux pesticides. Ainsi, notre gouvernement demeure fermement engagé à prendre des décisions basées sur la science afin de protéger la santé des Canadiens, à demeurer un leader en agriculture durable et à permettre à nos agricultrices et agriculteurs de contribuer pleinement à la lutte contre l'insécurité alimentaire mondiale tout en vivant bien de leur travail. Et sur ce, je me tourne vers ma collègue Julie Debrousson. Alors, je remercie les ministres Duclos et Bibeau. I'm here today speaking on behalf of Minister Guilbeault to discuss the next steps in sustainable practices with pesticides. So back in December of 2022 in Canada, we signed an agreement with 195 global partners with the United Nations on biological diversity, and we reached a historic agreement to safeguard the world's nature. And that was signed in Montreal. It's the Global Biodiversity Framework, and that is part of a protection for the nature, for protecting the world's nature, halt and reverse biodiversity loss by 2030, and put nature on a path of recovery by 2050. One component of the Global Biodiversity Framework is Target 7, which aims to reduce the overall biodiversity risk from pesticides by at least half by 2030. And that includes through the integrated pest management based on science, while taking into account food security and the livelihoods of Canadians. So to be clear, this focuses on the overall impacts and risk management of pesticides and does not command a specific target reduction in pesticide use. There are many ways to reduce risk that are not correlated to the reduction in pesticide use. For example, the timing of the application, the effectiveness of a given product, science and other pest management approaches. The big piece today that's quite exciting is about the fact that we're considering, is a perfect lawn really worth it when we're looking at human environmental impacts? So with today, we are announcing that the Government of Canada is the country's largest real property owner, and in that role, we're going to be taking the first steps towards reducing pesticide use on federal lands and to support Canada's work to halt and reduce biodiversity loss by 2030. We're going to be eliminating the use of pesticides for cosmetic purposes on federal lands. And the Government of Canada is reducing the amount of pesticides going into the environment and by extension reducing their risks to biodiversity. We know that real world data is critical to enhancing our understanding of the impacts of pesticides on the environment. So by increasing monitoring and research on this issue, and eliminating the unnecessary use of pesticides for cosmetic purposes on federal lands, our government is taking the important first steps in its commitments that were made under this Global Biodiversity Framework that we signed in Canada last year. And thank you very much to everyone today. Question peut-être un peu basique, mais quand même, Monsieur Duclos, Madame Bibeau.
Il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris, on avait dit que le glyphosate n'était pas nécessairement dangereux pour la santé. Là, on l'interdit des propriétés fédérales. Pourquoi? C'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Pourquoi on l'interdit si ce n'est pas dangereux? Parce que ce qui n'est pas dangereux n'est pas nécessairement bon pour l'environnement et pour la santé humaine à long terme. Et pour le glyphosate, comme pour tous les pesticides, on sait que, comme on vient de l'entendre, l'usage, la fréquence, le lieu, le type d'environnement physique dans lequel les pesticides sont utilisés peuvent avoir des effets à plus long terme sur ce qu'on trouve dans l'environnement, la biodiversité en particulier. Et on sait que certains de ces usages ne sont pas vraiment nécessaires. C'est pour ça que l'usage cosmétique sur les terres fédérales va être interdit. On pense que c'est une bonne première étape pour atteindre cet objectif de la cible 7 de la biodiversité qu'on a signé en décembre dernier. On pense aussi que c'est un bon message, un bon leadership que le gouvernement canadien peut envoyer et exercer pour inviter d'autres gouvernements, comme les gouvernements provinciaux et municipaux, à faire de même pour des usages à nouveau qui ne sont pas nécessaires, des usages cosmétiques qui vont avoir aussi l'effet d'améliorer la qualité de l'environnement, la biodiversité et protéger la santé humaine. Est-ce que ça s'applique au cas de recherche, notamment sur des terres agricoles fédérales comme la ferme expérimentale, par exemple? Il y aura des exceptions pour des je vais me tourner vers Marie-Claude dans quelques instants, à la fois sur les terres agricoles, sur d'autres terres que le gouvernement canadien possède et qu'il a l'obligation, dans certains cas, d'entretenir d'une certaine manière. Et donc, les exceptions seront permises, mais en gros, l'objectif, c'est de réduire au maximum et, dans certains cas, d'éliminer totalement l'usage des pesticides sur les terrains fédéraux. Donc, ça s'applique vraiment à l'usage cosmétique. Donc, tout ce qui est pour des fins agricoles, considérant que c'est utilisé par des gens qui ont la formation, qui savent exactement comment l'utiliser, que ce soit dans nos centres de recherche ou que ce soit sur les fermes privées. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Le changement est vraiment au niveau cosmétique non essentiel sur les terres fédérales. Ministers, there are reports that maybe a cabinet shuffle will happen within the next few weeks. Do you think the cabinet is working as it should right now? And if the Prime Minister asked either of you to take different portfolios, would you? I can tell you that I'm very engaged in the agriculture file and I'm ready to take other questions on the topic of the day. Donc, un remaniement, vous, ça vous tente pas? Moi, je suis très heureuse en agriculture. Monsieur Duclos, est-ce que les ententes avec Québec, est-ce que ça avance le niveau là, pour les transferts en santé? Oui, j'ai des échanges réguliers avec mon collègue, le ministre Dubé. On s'entend sur le fait que bien qu'on ait différents rôles, on a la même responsabilité au Québec de servir les patients, d'appuyer les travailleurs dans un contexte qui est difficile pour les travailleurs et pour les patients. Donc, on veut s'assurer que les 200 milliards de dollars additionnels que le M. Trudeau a annoncé le 7 février dernier puissent aussi servir les besoins des patients et des travailleurs au Québec et complet. En fait, ça fait vraiment longtemps, là, les autres provinces ont signé. Qu'est-ce qui bloque exactement? Oui, il y a des provinces qui ont déjà envoyé leur lettre là, indiquant une entente de principe. Il y a encore quand même trois territoires pour lesquels nous attendons encore cette lettre. Des provinces qui cheminent plus rapidement sur leur plan de travail. De manière générale, c'est une façon différente de travailler pour le gouvernement canadien et les gouvernements des provinces et des territoires. Et comme c'est un peu différent du contexte dans lequel on a travaillé historiquement, bien, ça demande des efforts et du temps de la part de chacun des intervenants. Sur les pesticides, moi, j'avais un bilatéral avec le Québec cet été, disons en juillet, en août, parce que... C'est notre souhait à tous et à toutes, parce qu'on sait là, que ce n'est pas juste pour réparer les dommages considérables que la COVID-19 a causés aux travailleurs et aux patients, mais c'est aussi pour préparer le système de santé, y compris au Québec, pour les défis futurs qu'on connaît et qu'on sait depuis déjà un certain temps, le fait que notre population de gens vieillit rapidement avec tous les impacts que ça cause, évidemment, mais aussi que la population de travailleurs vieillit rapidement. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont malheureusement, d'un point de vue du système de santé, des fois, d'un point de vue personnel, c'était quelque chose qu'ils devaient absolument faire, se retirer au cours de la COVID-19
plus tôt, pour prendre retraite plus rapidement parce qu'ils vivaient un stress et parfois des ennuis physiques là, qui étaient trop élevés. Alors, on sait qu'on a besoin de retenir nos travailleurs, de former d'autres travailleurs, de les recruter, évidemment, d'accueillir au Québec, comme partout au pays, plus rapidement et plus facilement des travailleurs étrangers en reconnaissant leurs compétences, les compétences qu'ils ont souvent acquises à l'extérieur du Québec et du pays. Donc, on sait qu'on peut faire tout ce travail bien ensemble. Donc, vous donnez comme objectif là, d'avoir signé l'entente bilatérale en juillet, c'est ça? En fait, ce qu'on espère, c'est que les continus. Ben c'est un souhait commun. On sait que les gens veulent voir rapidement le genre de résultats que les dollars du gouvernement canadien vont apporter aux travailleurs et aux patients. On a besoin de faire les choses correctement. On sait que c'est une nouvelle façon de travailler. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués, y compris celui de mon collègue, le ministre Leblanc. Mais ça va très bien. Monsieur Dubé et moi, on a toujours eu une excellente relation. Puis, on espère et on pense que ça va continuer. Sur les pesticides, qu'est-ce qui va devenir du glyphosate? Est-ce que, pour l'instant, Santé Canada nous dit qu'ils n'ont pas fait une tête encore sur l'augmentation des résidus de glyphosate? Sur le glyphosate, il y a deux, trois choses qui se passent. La première, c'est qu'il y a 20 000 commentaires qui ont été reçus et qui doivent être tous étudiés. La deuxième, c'est que Santé Canada travaille aussi en collaboration avec d'autres agences semblables à l'extérieur du pays pour voir comment d'autres pays traitent de l'usage du glyphosate. Et la troisième chose, c'est que la décision sur le glyphosate ne sera pas annoncée avant 2024. J'essaie de comprendre, à propos des pesticides, l'ampleur que ça va avoir, parce qu'on parle beaucoup d'utilisation à des fins cosmétiques, mais il y a plein d'autres utilisations qui vont pouvoir être permises. Donc, à des fins cosmétiques, ça va coûter, ça va toucher quelle proportion des terres fédérales? 20 % 5 % Est-ce que vous avez une idée? C'est certainement la majorité des terres fédérales, parce qu'à toute fin pratique, on exclut les centres de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada. Il y en a 20 à travers le pays, mais c'est marginal, je dirais, si on regarde l'ampleur de toutes les propriétés fédérales. Alors, c'est déjà significatif d'arrêter l'utilisation des pesticides pour des fins cosmétiques. Et par la suite, bien, on tombe dans la juridiction des provinces. Alors, on va encourager les provinces et les municipalités à aller de l'avant aussi, encore une fois, pour les usages non essentiels à des fins cosmétiques. OK. Merci. Merci. Good afternoon, everyone. I just wanted to take a moment and shed some light on a report that came up from the IMF today. And basically, it says that Canada has an enviable fiscal position. So let's unpack that. What does it mean? They've said that if you take a look at Canada's deficit divided by the size of the economy, or our debt divided by the size of the economy, we're literally the top performer in the G7. And they went a little bit further. So they took a look at some of the investments we've made as a country, and they cited five that are really important. And one of those was the investments we've made in early learning and childcare that has helped so many women now participate in the workforce. They also did a bit of a deep dive on immigration and all that we have done to address labor issues. They also gave us full marks for the $120 billion in our green industrial strategy. They also talked about housing and how we've really improved the supply mix of housing over the last 7 years. And finally, they talked about our efforts on anti-money laundering. So what does it mean for Canadians at home? Essentially, it means that we've got the best performing fiscal position so that we can actually make the investments that you saw in the budget, where we stabilized healthcare for a generation. We made sure that we made these industrial investments and we provided supports to Canadians who need it at this time. And so we thank the IMF for their report. En français, ensuite, je prends des questions. Aujourd'hui, nous signalons un rapport du Fonds monétaire international qui a dit que le Canada tient une position fiscale enviable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend la dette et on divise par la taille de l'économie, ou si on prend le déficit et on divise par la taille de notre économie, on est dans la meilleure position dans le G7. Donc ça, c'est très important. Ils ont cité plusieurs initiatives de notre gouvernement, dont le logement abordable, nos investissements dans les garderies, nos investissements en immigration, aussi notre plan industriel pour l'énergie et l'économie propre, et aussi, ils ont parlé de tout ce qu'on fait pour contourner
le blanchissage d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire pour les monsieur, madame, tout le monde qui sont chez eux? Ça veut dire que nous avons la position fiscale pour faire des investissements, comme on le fait dans le budget, pour aider les Canadiens qui en ont le plus besoin, et aussi stabiliser le système de santé pour une génération et plus, et pour faire des investissements pour croître l'économie. Et on remercie le FMI pour leur rapport. Vous voyez ça comme une caution pour continuer à faire des déficits? Non, ils ont dit très clairement que l'économie va continuer et d'ici 2025, on va être dans une des meilleures positions de croissance dans le G7. Ils ont dit que le Canada est le meilleur performeur fiscal dans le G7. Et je vous donne un exemple. Si on regarde la dette, on va continuer à être des gérants prudents de l'économie canadienne. Et si je peux vous donner, partager une statistique qui vient, si on regarde notre PIB net, notre déficit PIB, le rapport, c'est 19,4%. Le moyen de G7, c'est plus que 90%. Donc, on est un cinquième, le rapport qu'ils ont au G7. Donc, c'est une position fiscale très importante. The IMF was flagging Canada as the highest risk of mortgage default amongst advanced economies. And they also said that Canadians are increasingly struggling with debt. Both of those two things can have a major impact on the economy, and the Bank of Canada is likely going to continue raising rates. So what are you going to do about that, given that that has a major impact on the economy as well? So on the latter point, we'll let the Bank of Canada decide what it needs to do. It's been very clear that it expects inflation to be down closer to 3% by the summer and much closer to 2% by December. This report by the IMF has said, look, you've made good investments as a country into the housing market. We know we need to do more, and that's why our program for housing will continue to make those investments. It's also why we have investments that are tied to transit systems with our biggest cities and biggest municipalities to make sure that those housing investments are along really smart transit lines so that we can get the right supply mix. So look, we take the earlier report from the IMF seriously, and this one is like, it's like getting an A-plus report card from the world's International Monetary Fund on how we've managed our fiscal frame. And so it's a good report, and we thank them for their work. Quand vient le temps de relancer la session, on va prendre un break bientôt, on s'en va en septembre. Il faut brasser les affaires un peu. Vous allez faire quoi, un remaniement? Ça, c'est une décision pour le premier ministre. On est misé sur les projets de loi qui sont devant nous. C'est pourquoi on va siéger jusqu'à minuit, si c'est nécessaire, jusqu'à vendredi, pour pousser les conservateurs de cesser leur tactique d'obstruction pour qu'on puisse continuer. Mais en ce qui concerne l'été, c'est pour parler aux Canadiens ou Canadiennes de tout le travail qu'on a fait et les écouter pour qu'on puisse revenir à l'automne, continuer sur notre plan pour aider les Canadiens. Vous relancez là, votre agenda, là, vous préparez quoi en septembre? Ça va prendre quoi pour brasser la cage un peu? Je pense que déjà, on regarde qu'avec les élections partielles, on a eu des résultats importants à Montréal, à Winnipeg, et on a eu un plus grand pourcentage du vote, nombre de votes pour les libéraux. Et je pense que les Canadiens sont avec nous en ce qui concerne le plan qu'on avance d'un océan à l'autre. Pas la cage, tout va bien. Mais est-ce qu'on va brasser la cage ou est-ce qu'on va continuer à livrer la marchandise pour les Canadiens? C'est le dernier. This report says that the economy seems to be doing well, but then how come there are so many Canadians who can't pay their bills, who are at risk of default, who can't keep up with the pace of life? So what are these, what's the difference here? So it's a very good question, and if you take a look at what's happening around the world with global inflation, look, 4.4% is too high for inflation. It was certainly too high when it was 8.1. It's now down to 4.4. The Bank of Canada is going to continue to do what it needs to do to bring inflation down. And I'll be much happier when we're back to that 0 to 2% frame. And it's why in our budget we did the one-time grocery rebate. It's why we continue to make investments in childcare, getting down to $10 a day, which is putting thousands of dollars into the pockets of families every month. It's why the dental program is so important. It's already helped over 300,000 Canadians to pay their bills. And so, look, a strong economy says that when we get through this inflationary cycle, we're going to be in a very good position to meet the moment and deliver for Canadians. Thanks, everyone. Merci. How do you think the sitting has gone for the government? Well, we had a productive session. If you think about it, we passed C-11, which is about the streamers contributing to our culture. We're passing today C-18, hopefully in the Senate this week also C-18, which is asking the big tech giants to contribute to, you know, to local journalism, to what you guys do. C-13, which is reinforcing the Official Languages Act and, you know, helping French across the country. You're against some of the amendments the Senate wants on C-18. Can you say why? Yeah, we're supporting 10 out of 12 amendments, so that's a vast majority. It's just that those amendments, well, it's one amendment that we're rejecting. The second one is it goes with the first one. So if
you reject one, it's technical. It's just because that amendment, it's taking away flexibility on negotiations. And we need full flexibility. We need the parties to sit on both sides of the table and negotiate openly. Ça a été comment votre session avec C11, C18? Une grosse session pour vous quand même? C'était une grosse session, ça a été le fun. Ça a été le fun. Oui. Ben, je suis content qu'il passe parce que je pense que c'est bon pour le Québec, pour le Canada. Est-ce que ça serait passé plus vite s'il n'y avait pas eu le thème de l'ingérence étrangère? Est-ce que ça vous a nuit, ça? Non, il aurait passé plus vite s'il n'y avait pas eu le thème de l'ingérence conservatrice. Ça, ça aurait passé plus vite. Parce qu'ils ont retenu les projets de loi de façon éhontée, antidémocratique pendant des mois. Et ça va se faire cette semaine? Cette semaine, vous allez voir ça finir, là, vous avez... C'est de suite, j'espère! Non, une enquête, c'est ça. What's your cabinet going to look like after the summer? Well, a bunch of people around the table. And who are they going to be? Good people! Difficile de faire ça, passer ça dans votre parti, tu sais, avoir la consensus. Tout le monde vote pour cette race, pour votre travail. Il y a eu un travail dans le caucus, mais le résultat, vous l'avez connu. Non, ça n'a pas été difficile. C'est un travail comme les autres, qui se compare à d'autres projets de loi. Il y a une certaine époque où les francophones hors Québec étaient irrités par le mouvement souverainiste du Québec, qu'ils ne voyaient pas comme des alliés. Est-ce que ces 13, grâce à vos travaux, changent cette dynamique-là, francophone Québec, francophone hors Québec? Je pense qu'on a tout avantage d'avoir un gros groupe de concentration au niveau des francophones au Québec, qui va être un leader pour l'ensemble des minorités francophones dans l'ensemble du pays. Et je pense qu'on est gagnant avec ça. Mais le fait de dire qu'il y a des besoins différents, est-ce que ça change la donne dans la perception qu'auront vraisemblablement les francophones du reste du pays par rapport au Québec et aux francophones du Québec? Je comprends, je n'ai pas bien la question, Michel. C'est écrit que les minorités francophones et anglophones ont des besoins différents. Oui. Ça a été un amendement. Oui. Vous croyez que ça change la perception? Ça va changer quelque chose? Comment c'est perçu par les francophones du Québec et les francophones? Non, je crois pas. Je pense que l'ensemble des minorités, soit les minorités francophones hors Québec et la population francophone du Québec, on va travailler ensemble pour protéger le déclin du français, l'arrêter, le protéger, le promouvoir. Mais non, en termes de perception, je crois pas. Je pense qu'on va tout simplement travailler ensemble pour avoir des résultats positifs pour protéger le français. Vous êtes content de la session pour ça, tu sais, pour cette cause-là, c'est livré. Votre bilan, c'est livré, là. C'est livré, là. En fait, j'ai toujours dit on a accouché d'une souris. Moi, je pense qu'on aurait dû aller plus loin. À titre d'exemple, le Conseil du Trésor aurait dû avoir le pouvoir sur l'ensemble de la loi. Et les ayants droit, honnêtement, c'est une aberration. Ils ont mis 2 millions dans le palo au lieu de mettre la question dans le recensement qui avait été mis en 2021. Et ça démontre qu'il n'y a pas nécessairement de sérieuse volonté de la part du gouvernement actuel pour protéger le déclin du français. Merci. Voilà, merci. Merci. Bonne journée. Il n'y a pas un avant, il y a un après dans le droit linguistique des francophones hors Québec et le droit linguistique des francophones québécois. Il n'y a pas un aspect que, pour une première fois, ça rame dans le même sens avec... Oui, je pense que les francophones hors Québec, bon, ils ont besoin, on appuie toutes leurs revendications. Ils ont besoin même de beaucoup plus de soutien qui vont l'avoir. Mais bon, pour le Québec, on a réussi à faire introduire des éléments d'asymétrie pour faire reconnaître que les anglophones au Québec n'ont pas du tout les mêmes besoins que les minorités francophones au Québec. Fait qu'on va voir, il s'agit que les bottines suivent les babines, là. On a vu le plan d'action sur les langues officielles où il y avait visiblement rien pour le français. Alors ça, ça n'a pas d'allure parce que c'est le français qui est menacé, le gouvernement fédéral le reconnaît. Puis là, il a annoncé un soutien qui va exclusivement du côté anglophone. Alors on va travailler là-dessus, puis je pense qu'on va avoir moyen de... La ministre Petitpas-Terreux nous dit que le règlement pourrait venir... En fait, les règlements pourraient arriver d'ici 2 ans, là. Vous en pensez quoi de ces délais-là? Bien, c'est pas mal long, on va voir, surtout pour les francophones hors Québec, justement. Pour les entreprises de compétences fédérales, moi, je pense que c'est urgent que de protéger le droit de travailler en français pour les francophones hors Québec. Ça va attendre. Y a-t-il un risque que le gouvernement tombe et puis qu'on ne voit pas, la couleur de ce règlement-là? Ben, on va le voir, le règlement, ce qu'il va donner, mais pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est un plan d'action sur les langues officielles qui n'a pas tenu compte du tout du fait que le français est minoritaire
au Canada, puis du fait que les anglophones ne sont pas du tout équivalents aux minorités francophones hors Québec. Mais il n'a pas été dévoilé entièrement, le plan d'action. Puis moi, je pense qu'avec la pression, même le gouvernement du Québec était très surpris de voir qu'il n'y avait rien pour le français. Alors moi, je pense qu'il va y avoir moyen de mettre de la pression. Paul Sam, Cooper, before Proc, and why your government thinks it's okay to question journalists and scrutinize their stories like that? Well, I think, doesn't everybody deserve to be scrutinized? We know the stories and the allegations were false. We've heard that from many credible experts, intelligence and national security experts. I think it's perfectly legitimate to ask journalists about their the integrity of which they, whether they follow their own ethical code. So is that a precedent for you? Every time the government, a journalist writes something that the government disputes or doesn't think is accurate, you're going to call them before a committee? Well, no, I think when you put forth unfounded allegations that have been proven to be false, I think you need to be held accountable for that. How do we know they're false? Because David Johnson said so? No, there's David Johnson is just one of many people that have said that they're false. We've had deputy ministers, ministers, David Johnson, national security and intelligence advisor to the prime minister, and the director of CSIS. Okay, but what about is there a slippery slope here? Like, next time you don't like a story a journalist wrote, you're going to call in front of committee? Like, what's the limit? What's the standard? Well, that's not my... What we know is that MP Han Dong has been persecuted in the court of public opinion wrongfully. And for me, I take issue with that. So why is he not back in caucus then? If it was wrongfully, why hasn't the door just been opened and he comes right back into caucus if it was so wrong? Well, I don't think there's anything limiting Han Dong from coming back to caucus. That's not the issue. The issue is he's in a legal proceeding right now. And I think he wants that to be concluded. I mean, I'm only speculating. I don't really know. So, yeah. Thanks.